Saint Marc nous raconte que de grand matin, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé, achètent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus et se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Aujourd'hui, en ce temps de confinement, nous nous posons cette même question. Qui pourra ôter cette pierre de nos cœurs? Cette pierre peut représenter le coronavirus, la crise économique, la précarité dans laquelle nous vivons, le péché qui nous dérange. Pourtant, aujourd'hui même, dès le lever du soleil, quelqu'un dit à ses femmes et nous le répète également, « Ne soyez pas effrayés. Ne cherchez pas Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. » Voici le grand jour que fit le Seigneur. Je vous souhaite à tous, chers parents, chers anciens, chers professeurs, chers élèves, chers amis, une joyeuse fête de Pâques. Que Jésus ressuscité ôte cette pierre qui pèse sur nos cœurs, qu'il nous accompagne et qu'il nous ressuscite avec lui. Christ est vivant. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia.